Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe, eh oui. Et aujourd'hui on se retrouve justement pour vous présenter le Dex Sybaris qui est arrivé pour tout le monde, et eh oui, pour les 3 ans de Warframe d'ailleurs. Donc félicitations à eux parce que le jeu, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui jouent de plus en plus. Et franchement, c'est sympa de mettre une petite arme pour la date d'anniversaire. Donc, écoutez, je vais vous faire voir le petit build que j'ai fait. Après le Sybaris, hein, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime bien. J'apprécie pas mal cette arme. Mais du coup, je voulais vous faire voir quand même un petit build plutôt relax. Par contre, ça coûte cher en format. Donc, allez, on va aller voir. À tout de suite. Et donc, on se retrouve sur le build. Et oui, donc le Dex Sybaris, du coup, j'ai lâché les formats. Là. J'en ai mis 6. On va commencer par une dentelure, la logique déjà de base. Le champ de divisé, moi j'ai mis un gros calibre, du coup ça nous baisse un petit peu plus la précision. Bon, on n'en a pas une grande déjà à la base, mais bon, au moins on rajoute du dégât quand même. Ensuite j'ai mis chargeur infecté et balle cryogénique pour avoir du viral. On est à 1101 en viral. Évidemment, on va monter les chances de critique et le multiplicateur critique. Donc du coup, on met perception vitale et frappe tendue. On va mettre un petit marteau pilon pour augmenter les dégâts critiques. Du coup, ce qui nous fait qu'on est à 5,6. Et puis voilà. voilà. Du coup, je n'ai pas rajouté plus de tranchants. Je préférais mettre mon viral parce que si on mettait le tranchant, du coup, soit on mettait un dégât de poison, soit un dégât de feu, enfin ce que vous vouliez. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein, sans problème, hein. Toujours est-il que bon, moi j'ai préféré quand même mettre un dégât viral. Bon, on est sur un statut de 24,9%, c'est vrai que c'est un peu bas, mais bon. donc ça c'est mon petit build. C'est vrai que malheureusement, Lotus, je t'aime, mais ta gueule. C'est vrai que malheureusement, il faut quand même plus de 6 formats quoi. C'est vrai que dès qu'on a l'arme, l'arme du coup elle a 0 format de base, donc là il faut en mettre. Donc c'est ça qui est le plus chiant. Il faut remonter l'arme à peu près 7 fois, donc c'est franchement, faut être patient. Donc j'espère que... Oui d'ailleurs j'ai oublié de vous dire aussi, on a une cadence de tir de 4,17. C'est pas trop dégueu non plus hein. Chargeur de 14, c'est 3 balles à chaque fois puisqu'on est sur une rafale. Donc ça part vite aussi. On a quand même une recharge à 1,5. C'est pas énorme non plus, mais bon, faut quand même faire attention. Donc j'espère que ce petit gameplay et ce petit build vous plairont. N'oubliez pas la vidéo des 50 000 abonnés. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Sur les 5000 abonnés, donc ne rassurez-vous, ça va arriver, je suis juste un peu en retard, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. C'est pareil, je suis présent sur mon clan, mais très peu sur Mumble, c'est assez difficile pour moi actuellement. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, simplement il y a un petit peu de retard quand même. Donc, moi je vous dis à bientôt, laissez un petit like, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire aussi, et puis on se retrouve très très vite. Allez, c'était Castelix, ciao.